Salut à tous, c'est Exploitage HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, c'est toujours sur la Cité des Sables. Donc, tout simplement, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un bilan sur la Cité des Sables. Donc, on va vite fait aller dans le coffre des participants, voir où ils en sont. Donc, bah, c'est parti. Vous voyez qu'il y a un petit agrandissement là, pour les alchimistes. Là, puis là, c'est un truc un peu décoratif. Mais ça a l'importance avec notre tour, puis voilà. Donc, eh bien, allons voir tout ça. Donc là, il y a déjà la maison de Pendule Cochon. Pas très riche, mais... Peut-être qu'il a du stuff sur lui, après les gens ont du stuff sur eux. Hein. Là, voilà, lui, je sais qu'il a un peu de stuff sur lui. Mais ouais, ça va, il a 4 diamants. C'est pas trop mal. Donc après, on va aller dans les caves, pour vite fait où on a un les caves. Même ici, donc là, un grand chandelier. Warrior, donc il a un peu de stuff sur lui. Vous voyez qu'il a pas mal de fer. Un stuff en fer un peu niqué. Voilà. Ensuite, on a ici encore une mine ici. Mais cette fois, un champ de pastèque. Là, on a une push qui. Full stuff diamonds. C'est un coffre qu'on lui a offert, quoi. Ça, c'est l'autre maison encore de Mindy qui s'est établie 100% dans les caves. Donc là, c'est pas grave si les autres joueurs vont le voir, mais là, il plante un coffre secret. Donc, 45 diamants. Tant de stuff que ça. Et là, un stuff diam sur lui, mais c'est le plus gros guide de la Cité des Sables. Donc, voilà quoi. Donc là, vous voyez qu'il y a personne de connecté parce que c'est tôt. Chambre de pauvre de Lingoudo. Attendez, il y a encore des participants. Vous voyez que les gens se sont plutôt établis dans les caves. Hein. Les caves sont toutes achetées. Dès que j'en mets une, elle est obligatoirement achetée quelques secondes après. Donc, non, ça c'est pas acheté. Il y a cette maison-là qui a été achetée par Baba, mais il n'y a rien dedans. Parce qu'il a acheté une deuxième maison à l'étage du dessous. Alors lui, c'est l'un des seuls qui n'a pas de maison dans les caves. Parce... Donc, 2 diamants, 8 heures, 4 obsidiennes, mais il a un j'aime sur lui. Bon, sinon au niveau des bases, voulons dire qu'il y en a quelques-unes qui ont été réparties dans la map, une là-bas, puis une qui est repérée là, donc je ne dérange pas spécialement si je vous la montre. C'est un farm à vache meumeu, il y a plein dedans. Bon bah voilà, c'était une très courte vidéo hein, sur la Cité des Sables. Ok, je vais péter. Ah, mais elle dit plus long, mon épée. Oh bah, casse-toi la gueule, écoute. Ce bâtard a spawné sur le toit. T'as pas tort. Oui, donc, sinon, sur les 6 avions, il n'y a pas eu de très grand changement. Alors, je sais pas pourquoi, par contre, les verrous du Nether ne poussent pas. C'est pour ça que c'est moi qui les donne. Enfin, faut les acheter. Après, c'est. Vous pouvez toujours rejoindre la Cité des Sables, hein, vous aurez un peu de retard, mais. Vu qu'elle dure assez longtemps, on peut toujours rattraper. Hein. Et que Manizy, pour l'instant, est largement tête sur les autres. Mais comme je vous dis, c'est largement rattrapable. Un petit tour dans la banque. Hein. C'est là. J'ai subi des explosions creeper très souvent. Ça, j'en fais souvent les coffres. Ça n'a rien. Là, c'est les coffres vides parce que j'avais la peine de tout remplir les coffres. Bah, c'était une très courte vidéo. Il y a plein de maisons qui n'ont pas été achetées, genre celle-là. Bref, bah, salut à tous, c'était Exploitage HD. Donc, bah, je vous laisse. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu tout de même. Là, c'est la MPVP, hein, toute nouvelle. Les combats. Là, il y avait de la lave, et là, il y avait de l'eau, et là, il y avait de la lave, et là, il y avait de l'eau. Je crois que ça faisait trop salaud, la lave, parce qu'il y a plein qui est mort là-dedans. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, aimer la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.